Nathalie Normandeau est avec nous. Bonsoir, Mme Normandeau. Bonsoir, M. Roy. Alors, j'imagine que c'est vraiment un mélange d'émotions que vous avez. D'abord, libéré dans tous les sens du mot de ce fardeau-là, mais en même temps, vous, vous vouliez aller à procès pour prouver votre innocence. Absolument, tout à fait. Mais ce matin, lorsque le juge a prononcé sa décision, oui, je l'accueillais avec soulagement, évidemment, vous en doutez bien. Après 4 ans et demi de procédure qui n'aboutissait pas, les larmes me sont montées aux yeux lorsque j'ai entendu le juge prononcer sa décision, parce que c'était très rapide. Là, en 2 minutes, c'était réglé. Là. Notre sort était réglé. Le juge a prononcé l'arrêt des procédures. Ce n'est pas le dénouement que je souhaitais. Je dirais même que je méritais, parce que moi, j'ai demandé un procès séparé des autres co-accusés. J'ai posé avec mon avocat, Maître Maxime Arroy, une multitude de gestes pour accélérer les procédures. Puis à chaque fois que je posais, je m'adressais au système pour justement être entendu, la porte toujours se refermait. Fait qu'à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je peux pas vouloir plus que le système. Et l'année passée, en fait, en janvier dernier, avec mon avocat, j'ai pris la décision de déposer une requête en arrêt des procédures. Parce que le juge le souligne, ça, effectivement, ce n'est pas vous ou votre avocat, évidemment, qui avez retardé sciemment le procès pour que ça tombe dans la catégorie de l'arrêt Jordan, c'est-à-dire des délais déraisonnables. Vous, vous, vous avez voulu, d'abord, comme vous avez dit, avoir un procès seul pour que ça aille plus vite, là. Oui, exactement, parce que, premièrement, c'est pas moi qui ai choisi de me co-accuser, là. Cette décision, elle appartient au DPCP. Et le fait d'être co-accusé, on était 7 au départ. Après ça, bon, on était 6 co-accusés. Ça a complexifié. Moi, je crois que ça a contribué à complexifier les procédures. Puis à un moment donné, voyant tout ça, je me suis dit, bien là, non. J'ai besoin d'être entendu parce que j'aurais préféré aujourd'hui un verdict d'acquittement. Puis le drame dans tout ça, M. Roy, puis je le vis comme une injustice. Moi, j'ai demandé à rencontrer l'UPAC. Avant de m'arrêter, là, j'ai jamais pu exposer ma version des faits aux policiers. On est venu m'arrêter à 6 heures le matin, on est venu cogner à ma porte, m'arrêter comme si j'étais un bandit à cavale, hein, une vulgaire criminelle. Et après ça, je me suis dit, OK, parfait, là, je vais faire en sorte que je puisse être entendue dans le cadre d'un procès. Je veux livrer ma version à un juge. Bon, mais malheureusement, je n'ai pas pu le faire. Alors, honnêtement, la justice nous offre aux co-accusés cette possibilité de déposer une requête pour obtenir un arrêt des procédures dans un contexte où les délais sont jugés déraisonnables. Bon. Et c'est la conclusion à laquelle est arrivé le juge ce matin. Aux gens qui vont dire, ah oui, mais c'est une technicalité, elle n'a pas, justement, elle n'a pas pu prouver son innocence. Là, je vais essayer de vous poser la question la plus simplement possible. Avez-vous, Mme Normandeau, ouais, d'une façon directe ou indirecte, facilité l'obtention de contrats publics à des firmes de génie contre de l'argent au PLQ? Non. Non. Et je vous le dis, là, sans aucune hésitation, sans aucun faux fuyant, et je peux le dire devant n'importe quelle caméra, M. Roy, les allégations de la poursuite de l'UPAC ne sont pas fondées. Mon avocat a déclaré quelques heures après mon arrestation, toute cette histoire n'aurait jamais dû avoir de commencement. Malheureusement, ça aura pris 4 ans et demi avant de lui donner raison. On m'a accusé à tort. Jamais je n'aurais dû être accusé. Puis ma frustration, là, elle vient essentiellement du fait que j'ai été accusée à tort, puis le fait que j'ai jamais pu exposer ma version des faits. C'est quand même assez inusité, là. Écoutez, M. Roy, c'est rare qu'un accusé lève la main à plusieurs reprises pour dire, écoutez, je veux mon procès. Moi, ce que je vois autour de moi, c'est des accusés qui tentent de fuir leur procès. Moi, je lève la main. J'ai levé la main à plusieurs reprises. On Et voit pourtant, la journée. On m'a dit non. Fait qu'à un moment donné, tu sais, à un moment donné, M. Roy, on vient, on se dit, mais à quel saint je dois me vouer là, pour que je puisse être entendu. On voit la conférence de presse du 17 mars 2016. Je me souviens, on était en émission spéciale pour la présentation d'un budget de Carlos Letao. Et l'UPAC a choisi cette journée-là, en pleine journée de budget. Là, on voit des images d'une émission spéciale qu'on a défilée avec Marie-Maud Denis, entre autres. Ma question, c'est, est-ce que dans votre esprit, vous avez, par procuration, été arrêté parce que l'UPAC ne pouvait pas s'en prendre au grand patron de votre parti, M. Charest? Moi, je
Parce que je ne suis pas en mesure de répondre clairement à cette question, mais ce que je sais cependant, puis je me suis toujours refusée à me présenter comme une victime ou comme un bouc émissaire. Tu sais, combien de fois j'ai entendu Nathalie Normandeau était jetée sous les roues de l'autobus libéral. Tu sais, j'ai entendu ça souvent. Mais depuis 4 ans et demi, lorsque je regarde tout le fil des événements, M. Roy, j'ai pas le choix d'arriver à cette conclusion-là. Puis entre vous et moi, là, le fait d'être arrêté le jour du budget... Que quoi? Quelle conclusion? Que quoi? Non, mais vous... La conclusion, que je suis une bouc émissaire dans toute cette histoire-là. Je suis une bouc émissaire. Je peux pas arriver à d'autres conclusions que celle-là. Pourquoi? Parce que l'UPAC... Il faut se rappeler le contexte, là. Hein? Le contexte, là, c'est Robert Lafrenière cherchait à être renouvelé. Hein? Ça, c'est important dans l'équation. Le fait d'être arrêté le jour du budget, est-ce qu'il y a quelqu'un au Québec qui croit qu'il n'y avait pas de coïncidence entre les deux événements? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut se dire les vraies affaires. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Puis j'aurai l'occasion de m'exprimer davantage sur le sujet, oui, parce que je suis en train de coucher sur papier toute cette histoire-là. Pourquoi? Pour faire éclore la vérité, parce que je n'ai pas eu de forum pour m'exprimer sur ce qui m'est arrivé. Il y a des choses... Le jugement d'aujourd'hui avait des grands passages caviardés, parce qu'on attend une enquête sur les fameuses fuites. Et sans refaire toute l'histoire, les fuites ont causé des retards parce que les autres co-accusés sont allés en procédure d'arrêt, des procédures justement compte tenu des fuites. Bref, est-ce que cette enquête-là va nous révéler quelque chose, vous pensez, qui va aller dans votre sens? Bien, écoutez, le juge ce matin était très sévère avec l'UPAC. Bon, on verra quelles seront les conclusions du BEI. Durant les plaidoiries qui se sont tenues dans le cadre de la requête en arrêt des procédures, là, en juillet dernier, il y a des gens qui sont venus témoigner, il y a des choses qui ont été dites sous scellé, sous de la confidentialité, qui ne peuvent pas être pour l'instant être révélées publiquement. Mais ça, on finira bien par le savoir avec l'enquête qui est en cours, M. Roy. Tu sais, je peux pas répondre à la place du BEI, vous comprendrez bien. Bien sûr. Mais j'espère qu'on aura des réponses à nos questions. Bon, allez-vous poursuivre soit l'UPAC, soit le DPCP? Ouais, ça, c'est la question à 100 $ aujourd'hui, là. Mmh. Je me la suis fait poser plusieurs fois depuis ce matin. Je ne peux pas exclure un scénario comme celui-là pour l'instant, mais en même temps, je ne peux pas vous répondre de façon affirmative. C'est-à-dire que, compte tenu de ce qui m'est arrivé, là, puis je dois en même temps digérer là, cette décision qui est importante, là, en 2 minutes, le juge m'a redonné ma liberté, qui, j'espère, là, et arrive là, d'une fois pour toutes. Là, on sait que le DPCP a 30 jours pour poursuivre, c'est-à-dire pour en appeler du jugement. On verra ce qu'il décidera. Mais ce qui est clair, c'est que j'ai la responsabilité envers moi-même là, de dire, bon, quelles sont mes options maintenant? Puis la grande question qu'il faut que je me pose, c'est est-ce que j'ai le goût de me relancer, de repartir en croisade dans un système qui est long? T'sais, est-ce que j'ai le goût de repartir, là, d'initier une saga qui peut encore durer, quoi, 2, 3 ans, 4 ans? Là, il faut que je regarde tout ça. Mais bon, je prends le temps de le faire. Retour en politique. J'imagine que c'est exclu pour vous. Vous avez déjà goûté à ça assez ou pas? Honnêtement, c'est la politique que j'ai payé très cher, hein, mon passage en politique. Il y a des gens qui me demandaient ce matin, qui me posaient des questions sur la mairie de Québec et tout ça. Mais il y a des gens autour de moi, M. Roy, là, qui ont énormément souffert de ce qui m'est arrivé, tu sais, mes proches, mon conjoint, les gens de ma famille. Puis il y a des gens qui ne comprendraient pas le fait que je retourne en politique. Moi, ce à quoi j'aspire, M. Roy, c'est aussi simple que de dire je veux la paix et je veux retrouver de la sérénité puis une vie normale. C'est pas compliqué. Là. Puis un emploi, c'est me trouver un job. Puis un emploi, exactement. Vous avez perdu votre emploi. Bien, c'est-à-dire que, tu sais, à un moment donné, les accusations criminelles, c'est difficile, là, tu sais, d'évoluer dans le milieu des médias. Puis je sentais aussi le besoin de coucher sur papier mon histoire, parce que je me rends compte, puis les entrevues que j'ai faites aujourd'hui, là, j'ai beaucoup de colère puis de révolte. Puis, tu sais, je suis révoltée de ce qui m'est arrivé parce que je me dis que c'est profondément injuste. Puis le système de justice, M. Roy, c'est pas une affaire d'arbitraire, c'est pas une affaire d'approximatif, c'est une affaire, tu sais, de droit. Et je me dis aujourd'hui, bon, ben, je comprends qu'il y a des gens qui vont être en colère face à cette décision du juge, qui vont être sceptiques. Oui. Mais en même temps, je me dis, mais le système nous offre cette possibilité d'en appeler d'un arrêt des procédures lorsque, justement, les délais sont jugés déraisonnables. Non, mais c'est les règles du jeu. Vous avez raison. D'ailleurs, le juge, en terminant, voilà, je vais vous laisser aller bientôt, mais le juge a dit
Il s'en trouvera probablement certains dans la population pour clamer la chance qu'ont les requérants d'échapper ainsi à une condamnation. Et il poursuit, c'est rare qu'un juge vole sur ce territoire-là, les requérants sont dorénavant libres de toute accusation relative à ce qui leur était reproché. Ils sont donc tout aussi innocents que quiconque vous pourriez croiser dans la rue aujourd'hui, et etc., etc. Alors, voilà. Ça, c'est le message du juge. Mais j'ai été étonnée, M. Roy, lorsqu'il a prononcé ces mots, parce que lorsqu'un juge prononce un mot, prononce une phrase, hein, c'est, tu sais, on dit toujours, ouais. Les mots ont leur importance, surtout dans un tribunal. Mais c'est fou, M. Roy, de dire que j'échappe à la justice, parce que j'ai été accusée au criminel. T'sais, moi, je fais les frais là, d'un procès sur la place publique depuis 4 ans et demi maintenant. Puis j'ajoute à ça la commission Charbonneau. Je suis allée témoigner à la commission Charbonneau. Moi, mon histoire là, avec la justice puis les allégations dans les médias... Est-ce que vous en voulez, Mme Normandeau? Ça dure depuis 2012. Oui. Là, je vais défoncer un petit peu, mais ça sera pas long, messieurs. Est-ce que vous en voulez à ces gens qui magouillaient au PLQ puis qui allaient... Puis on le sait qu'il y en a eu, là. On le sait. Là. Je veux pas revenir sur tout ça. Là. Vous êtes pas la porte-parole du PLQ. Mais est-ce que vous en voulez à ces gens-là non. qui se promenaient avec des valises pleines d'argent, comptant? Là? Moi, là, M. Roy, aujourd'hui, là, j'en veux à l'UPAC puis au DPCP qui me fait porter l'odieux de tout ce système d'une autre époque de financement politique légal. Tu sais, c'est pas vrai que Nathalie Normandeau, là, à elle seule, peut supporter sur ses épaules tout ce système-là. C'est extrêmement injuste. De servir, je le répète, de bouc émissaire. Puis en même temps, je vous le dis, puis je résiste un peu à cette idée parce que je ne suis pas une victime dans la vie. Moi, j'ai toujours assumé, j'ai toujours fait face et d'ailleurs, aux questions. D'ailleurs, vous êtes là en direct. Je réponds aux questions des journalistes. Vous êtes là en direct. Oui, puis, oui, je veux dire aux gens, tout à fait. Puis je vais continuer de répondre très aux questions. Bien. Et je veux juste préciser, je vous dis merci, on va se reparler. Peut-être, je veux préciser que quand tout ça est arrivé, puis vous n'étiez pas encore accusé, mais vous étiez dans l'eau chaude. Vous étiez venu sur le plateau, puis vous aviez fait face à la musique, puis ça avait été une entrevue un petit peu différente de celle-là, disons, où je vous étais sur Zambito, les fleurs, les billets, Céline Dion, puis tout ça, oui. puis votre chef de cabinet, puis je vous avais pas lâché, là. Vous avez pas lâché, puis... mais vous m'aviez dit, je vais revenir, peu importe le résultat, quand tout ça sera fini, puis vous étiez là. Alors, je voulais souligner aux gens. Voilà. Voilà. Alors, à la prochaine. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.